bien bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de El Pae, où on est à la recherche d'ingrédients pour le gâteau de l'anniversaire à Satan. Toujours ce scénario incroyable et même improbable, j'ai envie de dire, de fêter l'anniversaire de Satan. Et ça tombe bien puisqu'on cherche des ingrédients et on est à l'abattoir. Donc qu'est-ce qu'il me disait lui déjà, je sais plus. Qu'est-ce que vous faites ici? C'est le jour des visites et bienvenue sur le site de production de Mangemeyer. Ok. Évitez de vous frotter à la sécurité. Il faut pas s'approcher des cages, ils utilisent des antibiotiques pour traiter l'élevage. Ok. Et c'est un élevage d'excrément a priori. Si on a bien suivi le truc. Alors attendez, en bas il y a une boîte déjà. Déjà, première chose, récupérer la boîte. Alors il y a une mise à jour aujourd'hui, juste avant que je lance le jeu. Donc voilà. Ça a corrigé pas mal de bugs, des erreurs de traduction, des petites choses quoi. Pas une mise à jour de premier plan, dirons-nous. Alors, on a fait ça, on a récupéré la boîte. Donc maintenant, on remonte. Ah là-bas il y a des trucs. Et je fais n'importe quoi. C'est possible de faire encore plus n'importe quoi. Voilà. Hop, on a eu tout ça. C'était pas super utile, mais... Ok. Ah oui, il faut notre super turbo, j'imagine. Ok, on est passé. L'abattoir, effectivement, il est immense, mon petit. Alors, j'imagine qu'il y a des trucs en haut. Il y a des robots gardiens. Pardon, on va essayer de faire ça, voilà. De voir un petit peu ce qu'il y a. Ce qui est génial dans ce jeu, c'est que on peut aller partout. Mais vraiment partout. C'est génial. Alors. Pourquoi... Ok, ça c'est bon. Oh, j'avais pas prévu de m'accrocher au mur. Ah, ça, ça doit pouvoir se casser, attendez. Ah, c'était sûr. On a encore eu de la gemme. Alors, qu'est-ce qu'il y a par ici? Oh, il est là, lui. Alors, il nous en... Pourquoi il voulait nous empêcher d'aller en bas, lui? Qu'est-ce qu'il y a de si spécial en bas? Là-haut, il y a un truc. Allons-y. Hop là! Ah oui, c'est vrai que ça, faudra qu'on se fasse, un de ces quatre, de retourner au hub et de faire des choses. En fait, finalement, cette pièce n'est pas immense. Alors, on a le point de contrôle, il y a ça. On a vu qu'il y avait un bouton. Et là, il y a des humains qui sont prêts à être mangés, mais rien de spécial. Ok. Peut-être qu'il y a des trucs un peu cachés dessous, c'est possible. C'est possible. Oh, attendez. On l'avait pas vu. On l'avait pas vu, et maintenant c'est bon, c'est fait. Ouais, mais là, c'est chiant. Ok, donc qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Alors, il faut sprinter quand même. C'est bon, c'est fait. J'aime pas trop ces trucs là comme ça. Où il faut aller vite. Pour la sécurité. On en a déjà sprinté des comme ça. Dans les montagnes savoureuses. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ce câblage est vraiment compliqué. Ok. Donc on peut monter. On a frité un peu tout le monde.
Il y a des trucs un peu de partout. Hein. Alors, on va monter la roue. Parce qu'on a vu quelque chose. C'est où cette île? J'ai vu un truc. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se cache derrière cette affaire? Non! Ah mais j'avais plus mon turbo! J'avais plus mon dash! Oh, j'avais plus mon dash! Ok, ça c'est chiant. Qu'est-ce qui m'a touché? Rien? Ok. Ok, ok. J'avais vu un truc tout à l'heure. Attendez, c'est où? Allez, je suis monté là-dessus et j'ai vu quelque chose. Et tout là-haut. Ok, il n'y a rien d'incroyable. Non mais, oh, la 3D! Vous le savez, moi ça va pas du tout ça. Ça, ça ne va pas du tout. Ok, ça c'est fait. On va y arriver, on va y arriver, vous inquiétez pas. On s'y reprend souvent à plusieurs tours. Mais a priori, le jeu devient difficile après. Donc on va très souvent mourir a priori. Ah mais c'est super long en fait. Je me demande comment on va faire. Comme ça. Comme ça c'est bon. J'avais pas vu un truc au-dessus. Ah bah non. Mais je croyais avoir vu un truc, moi. En fait, depuis tout à l'heure, je me prends la tête alors qu'il n'y a rien. Ok. Ok, donc ça, c'est bon. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut aller là-haut? Ah ouais, ça doit désactiver ça. Ok. Bah sûrement, j'en sais rien. J'imagine. J'imagine, on va vite voir. Pas du tout. Ça a débloqué ça. Ah oui, ça fait tourner le... Le courant, là, il est là. Ça fait un truc. Bah, j'en sais rien. Là ça a remis le courant et c'est juste ça le coupe ou ça le remet. Oula, attendez, on a découvert des nouveaux trucs. Vous croyez que c'est le chemin ou que c'est le chemin là-haut? Allez, il se coupe de temps en temps ou pas? Ouais, il a l'air de se couper de temps en temps. Ah, faut juste qu'on attende en fait. Hein. Moi, je croyais qu'il fallait couper le courant. Bon, bon ça va, il n'y a rien de particulier. On a le petit mouton. Bah, écoutez, on attend, tant pis. Ouais, mais moi, j'étais persuadé qu'il fallait... Ok. Bon, bah du coup, ça va, c'était easy. Non mais c'est une blague, c'est une blague. C'était easy, bien sûr. Et pourquoi des fois ça répond pas? Ah là là. Là franchement c'est, j'ai lancé le son pour. Ouais j'ai lancé le truc et ça a chié quoi. J'ai l'impression que la gâchette droite pourrait pas fonctionner pour pouvoir s'accrocher en l'air.
c'est pas grave, on a eu le petit mouton, donc c'est bon. Voilà. Hop là, ça c'est fait. Ouh, j'avais pas vu que c'était si loin. Ah mais il a failli me faire reculer de ouf. Allez, par contre je comprends rien à ce qui se passe. Il y en a de partout des affaires. Faudrait qu'on puisse aller là-bas. Ah, faut qu'on active le courant. Ok, ça c'est bon. Ça c'est bon. Ah, là, il y a un truc là, c'est sûr. Oh, je l'avais pas vu lui. Mais je peux. Je peux lui renvoyer sa boule. Ça, c'est cool. Alors. Ils ont des incidents. Très bien. Bah, ça, c'est pas très grave. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas grand chose. Alors, on a plusieurs boutons. Alors, celui-ci, on peut mettre le courant. Quoi ça sert de mettre le courant ici? À rien. Ça, par contre, ça sert. Ok. Ok, ok. Ok, ça c'est tout bon. Là, on va chercher les problèmes. Hein. Parce qu'il y a un truc caché. Ok, on a eu tout le monde, c'est tout bon. On a été sniper. Hein. Ça c'est pas de la bouffe. Non. Il nous faut ça. Ah, une boîte. Ah, c'est le buffer. C'est un pot de buffer. Bon, maintenant, allons au checkpoint. Au point checké. Alors là, il n'y a rien. Ok, bon, on a trouvé pas mal de petites choses. Ça, c'est tout bon. Ouh. Non, mais j'en ai marre. J'en ai marre. Ah, j'avais pas le bon pouvoir sur moi. Évidemment. Mais... Ah, mais... Pourquoi est-ce qu'il... Bah mais je comprends pas, je comprends pas. Il est à fond sur l'accélérateur et il arrête de courir. Il a une durée limite ce truc. Non, il a pas de durée limite. Alors pourquoi est-ce qu'il est pas parti? Ok, ça c'est passé easy. Je sais pas pourquoi on a galéré la première fois. Alors. Ok, on l'a eu. Ah là, il y a des trucs ici. Donc à quoi ça sert? Ça sert à faire péter des trucs. Il y en a de partout. Il y en a deux partout. Mmh. Ah mais j'ai pas sur la plateforme. J'étais persuadé de sauter sur la plateforme. Quand je vous dis que j'y vois rien.
une boîte. Et je sais toujours pas à quoi ça me servait ce truc, hein. Ok, on a encore une boîte. Et donc là, il y a plein de boutons. Il y a plein de boutons, mais est-ce qu'il y a des trucs cachés par le truqué? Forcément, il y a des trucs cachés. Il y en a un en bas. On va dire qu'il y a des trucs cachés, mais comment on va y aller? On peut pas. J'ai pas l'impression qu'on puisse. Bon. Ou alors j'ai raté un truc, ça c'est... fortement pour... Alors. Je pense qu'il faut aller vers le vert. Et le vert amène vers celui-là. Celui-là, faut qu'on l'emmène vers le jaune. Est-ce qu'il y a des rouges qui font des trucs? Non, les rouges ne font rien. Et après, celui-là, ben ça, c'est facile, quoi. On va le dire quand même, c'est assez simple. Il y a d'autres choses. Donc on est toujours dans cet abattoir. Attends, il y a un truc là-bas. Mais c'est juste des gemmes ou... Oh là là. Est-ce que c'est juste des gemmes? Ouais, ça m'a l'air d'être juste des gemmes. Non, mais arrêtez-moi avec cette caméra. Hop. Et hop. Donc on a le bon pouvoir. C'est fait cartonner. Oh, c'est bon, ça passe, ça passe, ça passe. Ça passe. Ça passe, ça passe. Un nouveau coin chèque. Alors, ouf. Qu'est-ce qu'on nous cache ici? A priori, pas grand-chose. Je suis trop mauvais. Oh, mais qu'est-ce que je suis mauvais. Écoutez, cet abattoir, c'est une misère. On a eu les deux. Magnifique. Alors en bas, lui, qu'est-ce qu'il cache? Il avait l'air de cacher un truc. Chier, il va falloir que je fasse un aller-retour. Non, il cachait juste ça. Ça, c'est étonnant. Non, mais je le fais exprès. Oh, pourquoi est-ce que j'essaye? C'est chiant de se déplacer. Là, je le maîtrise pas du tout, ce truc. Putain, j'ai failli le rater. Non, mais c'est une blague. Ouais. Ça doit se décaler au bout d'un moment. Voilà, nickel. Et on a réussi à passer quand même. Il y a un truc là-bas en bas, je suis obligé d'y aller. Ok, c'est le deuxième mouton. Et ne pas y aller. Ne pas prendre de risques. On n'est pas assez bon pour prendre des risques. Mais on a pris le mouton. Donc on a trouvé la montagne savoureuse. On y est. Maintenant, l'abattoir d'être humain. Je sais même plus ce qu'on triche ici.
Faut que j'aille où, moi? Là-bas en face? C'est tout? Ah, mais j'avais pas vu autre chose? Ah non, c'est juste ça, le chemin. Ok. Moi, j'étais persuadé qu'il y avait autre chose. Mais pas du tout. Ok. Et jusqu'ici, tout va bien? Là, il y a un point chèque. Il y a forcément un truc au bout. Allez, on a vu là le tuyau. Que se cache-t-il ici? Attendez, mais ici aussi, il y a... Mais attendez, mais... Allez, c'était juste la suite du tour. Oh merde. Oh putain, je fais exprès. Alors qu'est-ce qu'on a trouvé? Absolument rien. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Tu es là pour nous aider? Pas vraiment, mais nous y sommes presque. Nous sommes presque libres. Mais les conduits, ils grouillent de démons. S'il te plaît, aide-nous, nettoie les conduits, ouvre la porte, nous n'arriverons pas seuls. Ok, mais je m'en fiche de ça. Oh, il y a un truc en dessous. Oh, celui-là, il était bien caché. Oh, celui-là, il était bien caché. Les cas canadiens. Bah là, c'est une blague. Oh, qu'est-ce que je m'y attendais pas. Moi, je m'y attendais pas du tout à ça. Hein, la blague. La blague. Alors, il y a plusieurs chemins, j'ai l'impression. J'ai eu peur de passer. Je pense que ça passait, mais... Le retour des caca. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a ici? Mais attendez, mais... Dans quel monde est-on? Je vous le demande. Attendez, c'est une zone bonus? Où on a eu de la chance? Où on a eu de la chance. Non, je suis tombé. Oh, mais j'allais dire comme une merde, mais c'est exactement. Oh, c'est pas compliqué, mais alors moi et ma vision. Et ma vision abominable. Je pourrais passer par l'autre côté, mais ça a l'air tellement moins intéressant que par ce côté. Mais jamais ils s'éteignent ces trucs. Et lui jamais il meurt. J'ai vu avec sa brosse à chiottes. Mais je suis pas, j'étais dans le truc. Ok, ça c'est bon. Ça va, on a à peu près la maîtrise. Non mais c'est une blague. C'est une blague et je sens que ça va être compliqué. C'est pas grave, on va refaire. Hein. On m'avait prévenu que ça devenait difficile. Oh non, ça c'était pas du jeu. Allez. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Ok. J'arrive pas à être synchro le truc avec... Ben voilà. Non mais là c'est moi. Là c'est moi qui fais n'importe quoi. Parce que là c'est pas compliqué.
y a rien de compliqué pour l'instant là. Non mais là c'est une blague, j'ai failli me tomber. Je sais pas pourquoi des fois... Donc t'en as fait tomber. Ok c'est bon. Bon là normalement ça passe tranquille en plus. Ben oui. Attendez, dites-moi pas qu'on est venu juste pour un petit champ. Hein. Attendez, tout ça pour un petit champ? Non, c'est une blague. Non. Oh là là, je suis déçu. Pour moi, il y allait avoir un truc de fou. Bon, bah du coup, on l'a attrapé. C'est aussi rapide de mourir. Ah, je suis hyper déçu, là, juste pour un petit champ. Oh, moi, j'étais persuadé qu'il allait avoir un truc trop bien. Bon, bah du coup, on va continuer par là. Moi, je me suis pris la tête pour rien. J'avais su. Alors. En général, la première chose à faire, c'est d'activer le checkpoint. Mais je suis nul. On dirait que je fais exprès. Dites-moi pas que ça c'était compliqué à faire. Ok. Ok. Ah c'est platformer. Platformer. Je m'attendais pas à ce que ça cède ça. Ouais, je m'attendais vraiment pas à ce que ça lâche. Alors, on peut aller là-bas, on peut aller là. C'est fou combien il y en a de partout hein, depuis le début du jeu. Les niveaux sont super bien faits, super bien réalisés. Il y en a vraiment de partout, c'est chouette. C'est franchement propre. Pour l'instant, j'ai absolument rien à reprocher au jeu. Hein. C'est vraiment du très très bon platformer. Même les combats et tout, les ennemis, il n'y a pas un bestiaire de ouf pour l'instant, même s'il y en a quand même pas mal. Ok. Moi j'ai vu un truc où c'était de la lumière, où c'est le reflet de la lumière. Des steaks les humains, regardez. Je rentre dedans et hop, un steak d'humain. J'ai l'impression qu'il y a un truc, mais ça se trouve c'est juste un reflet lumineux. Hein. Ouais, je pense que c'est juste un reflet. Oh, vous voyez pas grand chose. Ok, ça c'est tout bon. Un autre steak d'humain. Ce truc rouge là-bas. Ben, c'est bon ou c'est un reflet? Ou il y a un truc, j'en sais rien. Non, je pense qu'il n'y a rien. Je pense que je me fais des idées. Ouais, il n'y a quand même pas grand-chose. On peut passer par plein d'endroits en fonction des pouvoirs qu'on a et ça c'est cool aussi. Là, je crois que j'ai fait planter le truc. On s'en est sorti un petit peu miraculeusement.
Ok, ça c'est bon. Par où faut-il aller? Par là-haut. Non mais je me prends la lampe. Ok. On a toujours besoin de gemmes. Je sais pas encore à quoi elles servent. On n'y a pas trouvé une utilité particulière pour l'instant. Ok. Donc on a trouvé encore quelqu'un. J'ai réussi, je me suis échappé. Ok. Plus d'aiguilles, plus de pilules. Bah, très bien, tant mieux pour toi. Nous, il faut qu'on descende là-dedans. Ok, prends-la de moins. Voilà deux de moins. Les moustiques qui sont pas ouf. Ok, on a eu les moustiques. On a eu encore ce robot. Bon, qu'est-ce qui se cache ici? Pas grand chose. On est dans la salle de contrôle. Ah mais lui, imaginez. Tout ça pour rien me dire en plus. Ok. Ah, un ingrédient. Cool. Un ingrédient obtenu des pilules. Qu'est-ce que c'est? Des antibiotiques. Ok, donc c'est ce qu'il nous fallait. Ok. Qu'est-ce qui se passe? L'ascenseur. Ok, alors est-ce qu'on a fini la zone? Excellente question. Peut-être que oui. Si on a fini la zone, bah on s'arrêtera là. Pas du tout. Ah bah si. Et bah si, on est sorti de l'abattoir. Donc bah voilà, on a fait l'abattoir, on a trouvé un ingrédient. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Génial. Bah moi j'ai vraiment bien aimé. Ah, franchement, j'adore le jeu. J'adore le jeu. Est-ce que c'est le jeu de l'année? Non. Est-ce que c'est un très bon platformer? Oui. Alors il n'est pas à mettre entre toutes les mains parce qu'il est quand même gore et violent, je trouve. Mais malgré son design cartoon, c'est un truc quand même trash. Hein. Mais enfin bon, bah mettez un petit pouce en tous les cas si le jeu vous plaît. Moi je l'adore, franchement, je m'éclate dessus, on continuera avec grand plaisir. Nous on se revoit bientôt donc pour la suite de Hellpie. D'ici là, portez-vous bien, soyez sages, prenez soin de vous et à très vite.